Je suis Marlène Galifourou. Je viens ici pour parler de la femme qui était un être brimé pendant plusieurs années. Maintenant, je suis libre. Je me déchaîne. Je ne suis plus apprivoisée ni dépendante de quelqu'un ou de certains jugements et critiques. Car il m'a juste suffi d'être une femme pour me faire appeler reine. J'ai percé la bulle dans laquelle j'étais enclavée. J'exprime la rage de vaincre qui brûle en moi comme un feu inextinguible du volcan. Aucun manque ne me fera croire que je suis inutile. Rien ne volera ma joie de vivre, étant donné que je suis porteuse de bonheur. J'oriente, je bâtis et j'instruis. Mon destin, c'est le sommet et non la queue. À jamais, je lutterai pour atteindre mes objectifs. À cela, je fais hommage à toutes les femmes du monde entier, plus particulièrement à Madame Belinda Aessa, qui n'est autre que la directrice générale du mémorial Pierre Savornion de Brazza. Cette femme qui n'a jamais baissé les bras, malgré tout. Elle sait ce qu'elle vaut et a la capacité de transmettre l'amour autour d'elle. Cette guerrière qui s'est mise au sommet de par sa façon très aiguë d'être sage, intelligente et visionnaire. Chères dames, que Dieu vous bénisse, afin que vous puissiez continuer à inspirer la gente féminine congolaise. Merci pour ce que vous êtes.